Allô tout le monde, on espère que vous allez bien. On s'excuse pour le piètre éclairage en ce moment. On commence le vlog vraiment tard, il est 6h15, je pense. Ouais. Genre à 6h15, il y a un petit peu plus de lumière que ça. Ouais, mais là, on est vraiment assez dans l'automne. Oh, ça avait l'air. ça avait quasiment théâtral. Mais ouais, c'est ça, on commence le vlog plus tard parce qu'on n'a pas fait grand chose de bien important aujourd'hui. Ben toi, oui, toi, ce matin, t'allais donner des conférences. Oui, c'est vrai, j'ai fait des. J'ai été dans des salles de classe de 6e année au primaire pour apprendre la sécurité informatique à travers un cours de piratage. c'est tout jig, ça. Mais c'est ça, sinon, ben, on avait des petits trucs à faire cet après-midi. Mais là, ce soir, nous sommes devant un endroit que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. On essayait de penser, ça fait combien de temps qu'on n'est pas allé. Mais ça fait un bon moment quand même. Une douche, ouais. Non, ça, j'en ai pris une ce matin. Pour vrai? Ouais. Bravo pour toi. As-tu mis du déo? Oui. Faut pire, hein? On investiguera après. Devant l'IKEA! Yep, on s'en va au IKEA. Attends, faut juste que... Grotte. Juste un petit reflux. Eh. Non, c'est bon. Les joies de la grossesse. Bref, on voulait aller faire un petit tour au IKEA parce que premièrement, Pregnant Me voulait des hot dogs. Des hot dogs d'IKEA. C'est pas la seule raison, là. Je vais aller regarder, commencer à regarder tranquillement les décorations de Noël. Puis on veut quand même regarder un petit peu le truc de bébé aussi. Commencer à se... donner des idées. C'est ça, se donner des idées. L'inspiration. Voilà, regarder qu'est-ce qu'il y a en stock, qu'est-ce qu'il y a pas en stock, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Donc écoutez, allons-y tout de suite. Tant qu'à parler dans l'auto, voilà. Allons-y. C'est quand même une vraie description pour Fudge. Fudge est un jouet câlin bébé panthère. Ah! C'est Fudge ça. Mais j'en veux un. Mais on repassera par là au pire si on en prend un. Ah, mais il est cute! Il est vraiment cute. Ça, c'est une opportunité ratée. T'es au IKEA. T'appelles pas ta gamme de chandelles Sinling. Tu l'appelles Sniffling. Ouais, mais peut-être que ça veut dire quelque chose en suédois. J'ai dit Sniffling. Ça, là, pour ma petite, ça va être rempli de Lego, là. T'en as déjà plein de Lego dans des boîtes que t'as même pas faites en. Ouais, mais c'est des Lego qui sont trop petits. Ouais. Ça prend des Lego plus gros d'enfants, puis ensuite, on met de plus en plus efficaces. Là, moi, j'ai vu ça. Puis là, je crave des pommes. Non, c'est pour enfants. Je pense pas que tes fesses rentrent là-dedans. Ah! Ok, c'est correct. C'est très confortable. Ah oui? Comment je sors d'ici? Ah ouais, c'est ça, t'as-tu besoin d'aide? Non! Tu vas briser le liquide. Mes fesses sont rentrées. Ouais, ouais. Sortirais-tu une autre chose? Mais ouais, les petits trucs comme ça, j'ai trouvé mignons pour mettre tous les millions et les milliers de livres qu'elle va avoir. C'est vrai qu'eux sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Les étagères là? Ouais. Ils sont en vente où? C'est vraiment. Je sais pas. C'est la première fois qu'IKEA met quelque chose que je veux et qu'il n'y a pas l'étiquette dessus. C'est vrai, hein? Ma gang de chiens sales. Y'en a-tu ailleurs? En plus, c'est même ça qui fait avec. Mais c'est vrai que. Mais je regarde ça comme ça, puis même pour sa chambre, c'est pas. Mais c'est à ça que je pensais. Là, l'affaire, c'est si on fait genre ça, bois de même, le reste peut pas être juste blanc. Non. Il devrait avoir une touche de blanc. Ça, ça fait pas. Fait que peut-être que ça, ils le font en blanc. Peut-être. Faudra aller voir. Tu veux-tu me prendre en photo juste pour qu'on s'en rappelle? Bien sûr. Parce qu'au pire, si on le voit pas en bas... Je pense à la gamme trop fast. Ça se peut. Parce que le lit qu'on regarde à date, il est de cette couleur de bois-là aussi. Ouais, c'est ça, les petits détails. C'est ça. Ok, à suivre. Et c'est pour ça qu'on vient ici ce soir, pour s'inspirer. Mesdames et messieurs, IKEA font maintenant un Snuggie de gaming. Ben, il est toujours aussi laid, là, mais... Eh ouais, toi, c'est genre un coussin qui devient... Genre une housse. Parce que oui, IKEA est rendu avec une section gaming. Ouais, ils ont des nouvelles chaises, elles sont quand même cute en plus. Ils sont quand même confortables, tu dis? Ouais. Ah, ça c'est la chaise de Chuck. On peut essayer elle. Ah! Tu brises tout. Ben étonnamment, là. C'est quand même pas pire. Ouais. Ça se déloque-tu? Comment elle marche, les pitons? Découvrons-les. Non, pas ça. Bon, Jay est excité avec les nouveautés. Un tableau blanc sur roue. Derrière, t'as le truc pour. Le panneau, il est pas de qualité, par choses. Exemple. Ah non? Ah oh, non, c'est vraiment pas un panneau de qualité. Ben tu veux du porcelaine le plus possible, comme nous, qu'est-ce qu'on a?
Mais c'est pas le même prix du tout non plus. Non, là, c'est fait... sûr. Ça c'est peut... quand même cool. Ouais. Tu peux l'emmener, tu peux le déplacer comme ça pour des vidéos en bas, genre. Flac comme ça. C'est vrai. Ça, ça pourrait être le fun. Bon, fait qu'on est en train de prendre de l'inspiration pour la chambre. On aime bien ces armoires-là. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut changer les poignées comme de la couleur qu'on veut. Fait que là, il y a bleu, il y a blanc. À date, il y a deux couleurs, mais je suis sûre qu'il y en a plus. Ça aussi. Parce que c'est sûr, la chambre n'est pas extrêmement grande. Ça va faire la job. Mais il faut vraiment maximiser tout ce qu'on met à l'intérieur. Éventuellement, pour avoir un petit bureau comme ça. Ouais, mais là, on va laisser le temps de naître avant. On pourrait intituler ce vlog. Jay essaye de voir si ses fesses rentrent dans les chaises pour enfants. Ça marche? Moyen? Pas sûr? On devrait acheter ça. Pourquoi? Tu veux faire quoi avec ça? Une prison pour Fudge. Oh non! Regarde. Tu pourrais être dedans. Ça fait quand même de l'espace pour qu'il puisse jouer et fonctionner. Mais ça ferait sa petite prison. C'est vrai quand il est cranky et qu'il fait juste sauter sur notre bureau et qu'il fout ses pattes dans prison, le verre d'eau. Tu dis non. Ah, oh, mais je veux pas mettre le bobo en prison. Tu sais que tu vas être un père, hein? Mais ils sont vraiment beaux, les dinos, en plus. Hey, moi, ça c'est vraiment... Ils sont tellement beaux. Oh. Ils se reproduisent. Ça va aller quatre. C'est miseux. Vous êtes tous nés comme ça. Peut-être pas dans cette position, mais... Je prends-tu un reach? T'as choisi d'être avec moi. Ouais, ça a l'air. J'en prends-tu un? On a déjà un qui est une réplique de Fudge. C'est vrai. Enfin, on en a deux, on a même prototype 1. Ouais, mais c'est juste ça pourrait être le fun. Fun fact, je voulais faire tirer la première version de la peluche de Fudge, mais Catherine égoïste comme qu'elle est, a dit non. Moi, je veux les deux à moi et personne d'autre. Ouais. Ok, vous n'avez pas compris le principe. Moi, j'aime les couleurs. Moi aussi. Ok. Les chambres beige, non. Pour le développement, non. Pour l'enfant, non. Et le beige, trop beige, c'est mal. Donc c'est ça, ça va être une chambre un peu plus simple comme blanc, mais avec plein de choses colorées. Là, j'ai juste envie de comme tout acheter qu'est-ce qu'il y a dans... oh, ici. Ça, c'est sûr, j'en mets un. Il est vraiment beau. Quand elle sera assez grande pour jouer avec. C'est tellement beau. J'ai une couleur là-dessus. On va en acheter genre 5, toutes les mettre de suite. Les couleurs, Catherine, les couleurs. L'arc-en-ciel. Les couleurs. C'est une horloge, ça? Non, oui. C'est pas écrit sur le paquet, ça fait quoi? Ça fait longtemps que vous nous suivez. Vous avez sûrement vu que souvent, ce que je crée, c'est que je crée un modèle de la pièce à l'ordi. Là, on est capable de faire comme avec la pièce des Lego. Et vraiment voir comment tout ça, ça fit. C'est vrai que ça, c'est quand même gros, là. Là, ça aussi. Ça va vraiment nous donner une bonne idée de l'espace qu'on a et comment ça va patenter. Exact. Qu'est-ce qu'on fera ça? Ben quand même bientôt, parce que mine de rien, c'est dans 16 semaines. Mais, ben maximum, dans le fond, que j'accouche. Fait que c'est pas pressant, mais... C'est ça. Ça s'en vient, tranquillement. Ouais. Mais ouais, on considère, si vous l'avez, celui-là, on le considère parce qu'on le trouve beau. Fait que si vous l'avez, puis vous le trouvez pratique ou pas, ou que vous l'aimez ou pas, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Parce qu'on n'est pas arrivé. Lui, il aurait été beau, ça aurait pas été de certaines des tiges avec un petit style différent. J'aime pas ça. En fait, non, il est parfait. C'est juste ces trois stupides tiges-là sont laides. Ouais. Dommage. J'aimais bien celui-là aussi. Tu sais, il est blanc, il est simple, mais en même temps, si la chambre est toute blanche. Ben, dans le fond, la touche de couleur devra être dans toutes les affaires dans la chambre, ce qui est pas fou non plus. Aussi. Je veux pas notre plancher est en bois aussi. Fait que, tu sais, ça sur plancher en bois, c'est quand même beaucoup. Ouais. Tu sais, sinon, c'est un mur avec un genre de papier peint. Ce que j'aille pas l'idée non plus. Puis là, tous les meubles en blanc, mais tout ce qui est dedans coloré. Ça peut être une autre façon. Comme les couvertures de lit, tu sais, je veux de quoi comme super coloré aussi. À chaque fois, il y a un stupide ustensile de cuisine que j'ai besoin dans la maison, puis on n'en a pas. Puis là, je me dis, ben là, on va l'acheter quand on va aller au Ikea. Et là, j'oublie c'est quoi. Merde. C'est quoi, bordel de merde? Ah, oh, les étagères sont bien vides. Damn. Ouais, Ikea, il y a des petits problèmes d'approvisionnement. Ça a rien de l'air.
Écoute, c'est pratique ça. C'est dans le sol. Wow, c'est vraiment vide. Il y a vraiment rien qui me vient en tête. Anyway, qu'on pourrait avoir des besoins. Ah, je vais encore l'oublier. Sûrement. C'est le fun, il n'y a pas grand monde. Ouais. C'est ça. Ah. Fantastique. C'est ça, on en a besoin, je pense. Non. Enfin, les assiettes de couleur sont belles. Le truc pétillant, il y a de l'air bon. C'est genre pomme, citron. Tu vas prendre un? Fraise. Je vais goûter ça. C'est sans alcool? Ouais, c'est sans alcool. Bon, on a pris. Bon, déjà, on a des petits coussins comme ça. Ben, c'est des housses, mais j'ai déjà tous les coussins. On a pris des serviettes de bain. J'ai pris un petit coussin pour son dos comme ça. On a-tu besoin d'autre chose dans la section bain? Je pense pas. On va en prendre un. On va en prendre un, je suis d'accord, si tu veux. Ouais. Tu peux mettre nu maintenant? Je peux pas, non, c'est bon. Tu n'as pas assez de force de poignet, Catherine? Non. Est-ce que je te montre comment? Non, c'est bon. Regarde, on va être honnête, Kat. Ouais. Son gros cul, il passe pas. Bah oui, il est tout petit. Ouais. Il est mini, fudge. Hey, quand parle au chat, ma mère, il est petit. Ouais, mais quand même, là, c'est pas un petit minou. C'est un gros petit chat. C'est comme, dans le sub, il passe, mais. Il pense deux fois. Mais de toute façon. C'était pas l'appel à caca IKEA que tu détestais à mort? Oui, je l'ai vraiment pas aimé. C'est une des rares choses IKEA que j'ai pas aimé, l'appel pour la litière. Je l'ai pas aimé, j'en ai acheté un autre. C'est quoi le problème? Il y avait comme trop d'espace entre les fentes. Puis comme c'est de la litière agglomérante, ça faisait comme des boules, puis ça restait coincé dedans. Ah. C'était pas le fun. Ouais, j'ai chié tout croche. C'est ça. Bon, est-ce que j'en achète ou j'ai accepté que je tue toutes les plantes qui rentrent à la maison? Ça sonne comme j'ai accepté que je tue toutes les plantes qui rentrent à la maison. Fait que j'en achète pas puis j'en achète des fausses à la place. Quelle tristesse. On a trouvé des boîtes avec, semblerait-il, des biscuits au gingembre. Et j'adore les biscuits au gingembre. Lui, il a de l'air possible. Lui, il est ouvert, je pense. Non. Non. Là. C'est lesquels qu'on aimait, qu'on avait fait dans la vidéo de dégustation IKEA? Les café rep? Oui, ils étaient bons ceux-là. Je connais mon IKEA. Tu connais ton IKEA. Ok, moi j'achète toujours mon papier d'emballage au IKEA. Parce qu'il est robuste, il est pas cher et il est joli. Donc c'est ça. Ah oui, il est pas cher? Non, il est très cher. Il nous a coûté très cher ton piston. Ouais, on aurait dû avoir un rabais par dame encore. Ah! Ouais, fait que c'est ça. Déjà, j'achète le papier d'emballage, mais ça va être fait. Ben, il est pas. Il y en a d'autres. Oh. Je les ai tous spotés sur le site internet. Il y okay, en a d'autres. Lui, ce kit-là, il y a. Ouais, ce kit-là, il est c'est beau. Ces trois-là, là? Ouais, ça, c'est okay, beau. Ça, oui. Ok, bon, on en prend un comme ça. Oh, lui aussi, il est beau. Ouais, lui, je le voulais. Il est quand même le plus de beau. Ok, une étape à la fois. Regardons-les tous. Fait que lui, il est pas beau. Attends, mais il y en a d'autres là-bas. Ces deux-là ici. Le vert, il va-tu vraiment fitter? Lui, oui. Lui, non. Lui, non, ok. Parce bon, que lui, comme ça. Toi, t'es trop blanc, genre comme style verdâtre, whatever, mais lui, il fit avec. Ok. Ouais, ça, c'est trop rouge. Mais. Je pense que c'est qu'on a, non, l'année passée, j'en avais 5 puis j'ai failli en manquer. Ah. Parce que j'aime ça, avoir beaucoup de cadeaux sur le sapin. Ben, c'est d'en prendre un. Note du kit de 3, vu que c'est les plus beaux? Moi, mon préféré, mais mon préféré, je pense que c'est lui ou lui. Ouais. Ces deux-là. Fait que je pense que j'en prendrais comme un ou deux autres comme ça. Attends, laisse-moi fouiller. Là, il va nous falloir du ruban comme ça aussi. Parce que j'en ai plus. Ah, on a pu voir les biscuits ici. Ils sont trop. Mais non, je veux pas goûter. Yark! À quelle vitesse tu vas manger ça? Ah, sûrement trop vite. Va falloir que tu me les régules. Je te dis tout de suite, régule-les-moi. Parce que là, on est deux à les manger, là. Pauvre enfant, je mets tout sur son dos. C'est vraiment tout sur sa faute, puis je suis désolé, mais t'étais de même avant que tu sois enceinte. Ouais, mais là, c'est pire. C'est vrai. Surtout depuis que j'ai arrêté d'avoir des nausées, puis de. You know, barf. C'est pour fudge, là. Imagine-le comme ça. Je sais que c'est juste une démo, mais. S'il vendrait ça de même, fudge, j'adorerais ça. Ce serait tellement mignon, bobo. Un jour, j'arrange l'imprimante 3D, hein. Un jour. Ils sont belles, mais je veux pas changer nos ornements pour notre sapin. Ça fait, c'est quoi, c'est le 5e ou 6e année qu'on l'a? Depuis qu'on l'a. Ben depuis qu'on a déménagé ensemble, mais 2016. Ils sont beaux. Ils
sont vraiment beaux, je l'aime notre sapin. On a acheté un faux, mais il est vraiment beau. Bien durable. Bon, eh bien, il n'y a pas la possibilité de manger sur place. IKEA a complètement enlevé ça. Je pense pas qu'ils voulaient gérer avec le passeport vaccinal pis tout, parce que les gens sont horribles et chiolent. Donc, je vais aller chercher l'auto, l'approcher. Comme ça, quand Catherine finit de payer les choses, on peut aller prendre la bouffe et pas avoir à marcher dans le froid dehors pour que notre bouffe soit plus froide. Et tout le monde est gagnant. Puis en plus, ça évite que Catherine marche dans le froid dehors puis que je le fasse pour elle. Fait que c'est déjà mieux. Hein. Ça aussi, ça me va. Je deal bien le froid. C'est un vrai bûcheron. Je refuse de dire que ma dernière ride de moto était avant que je parte pour Vienne. Il n'est pas question de faire de la moto une dernière fois. La vie est si courte. Non! Connaissez-vous mon ami Michael? Ou est-ce que, bizarrement, j'ai un rabais militaire? On s'est dit tant qu'à être sorti, tant qu'à comme semi être dans l'ambiance des fêtes, on va aller regarder les décos de Noël tout de suite. Et finalement, il n'y a pas eu de bouffe IKEA. Ouais, non, finalement, parce qu'il ne restait pas assez de stock. Puis je me sentais mal pour dire s'il n'y avait pas ce qu'il voulait, puis moi, oui. Catherine, elle aurait pu, mais c'est poche parce qu'il n'y avait pas de maillot. J'aime ça dans mon hot dog. Je sais pas, c'est mon petit hot dog d'IKEA spécial. Puis il n'y avait pas de poutine. Fait que là, ils n'ont plus de pizza. Mais là, chill. Full de joie pour Catherine. Ça, je l'ai acheté pour mon décor. Dans ton décor? J'avais pas fait une vidéo des fêtes, je pense, l'année passée. Je pense pas. Parce que je travaillais sur Super Fudge 2, l'update. Ouais. En ce moment, ce n'est pas dans les plans qu'il y ait un update de Super Fudge. Peut-être que je pourrais rajouter quelques petits vêtements puis tout, juste pour, tu sais, quand même faire une petite mise à jour. Mais peut-être, je suis en train de voir pour les nouvelles montres de Huawei, je ferai un Super Fudge mini, ce qui serait le fun. Tu sais, quand je fais caca, j'ai pas mon téléphone, puis là j'ai envie de jouer à quelque chose, ben je l'aurai sur ma montre, ce qui serait cool. Parce que les montres de Huawei, je les aime vraiment beaucoup. Puis ils ont leur nouvelle plateforme, Harmony, mais c'est genre, on va s'en parler une autre fois. Autour de toute cette sapinerie. Mais ils ont pas ce petit steak de Noël encore, je pense. C'est pas encore Noël-ish? Non, mais on n'a même pas passé l'Halloween encore. Je sais, c'est ça, on est le 26 septembre. On dirait que l'Halloween n'existe pas cette année. Bon, je suis le seul qui a remarqué ça. Ça fait longtemps que l'Halloween n'existe pas, honnêtement. Genre, vraiment intense. Imagine comment ça aurait été beau, mais s'il y avait eu, ça avait été un fudge. Je peux t'en faire un, c'est sûr. C'est fun. Faudrait que j'arrange l'imprimante 3D. Oui, ça fait deux fois que tu le dis dans ce vlog là. Mais faudrait en faire un. Je sais pas si je l'ai dit dans le vlog tout à l'heure. Ah, c'est bien cute ça. Ah, ils sont beaux. Ah, je me sentirais mal de juste enlever la corde, mais. Ben, c'est pour manger, là, c'est des bols. Ouais, je sais, mais je disais comme la corde fait partie de la beauté du. Des petits bols. Waouh, check ça, Kat! Oh! Magnifique. Mais ouais, regarde, je pense que c'est un petit peu trop. Ah, ben, ouais. Mais. Parce que moi, je veux les grosses guirlandes en France. Hein. Mais je pense que maman veut moins. Il fait tellement noir, pis t'es tellement noir qu'on ne voit pas. Monsieur Gros Pelage, Monsieur Gros Pelage. Ah, t'as pas vu du vlog, fallait bien que tu fasses un petit coucou. Hein? Des plumes partout sur le sofa parce que tu fais tes griffes sur le sofa. Non, fais pas tes griffes sur moi. Hey, monsieur. Monsieur Minot. Bon, tu nous fais-tu un petit mot de la fin? Bien sûr. Soyez beau, soyez coquin, et je vous aime.